Bonjour tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la survie à Montréal numéro 6. On va parler des banques, de la banque, enfin des banques, comment ça fonctionne. Et donc, on va parler de pas mal de petits points comme changer de l'argent, ouvrir un compte, encaisser un chèque, il y a trois solutions, payer, recevoir de l'argent d'Europe, déposer de l'argent dans votre compte. Voilà, ainsi que des arrêts stop de temps en temps. Donc, c'est parti. Si vous êtes prêts, on va y aller. Hop. Alors, on va commencer par changer de l'argent. Alors, il faut éviter les banques et consulter le plus le site www.oanda.com avant de faire des bêtises, car ce site comprend tout, y compris un historique des taux. Un des meilleurs taux, c'est CalForex, rue Pile et Sainte-Catherine au 1230 rue Pile. Voilà, c'est bien parce que c'est ce qui se passe. C'est pas très loin de l'école que j'ai vu, que j'ai consulté. Je vous en parlerai tout à l'heure après ce stream, bien entendu, après ce live. On va continuer. Donc ça, c'était le premier point. C'était super rapide, n'est-ce pas? Deuxième point, ouvrir un compte. Alors, les principales banques, vous avez la Banque Royale du Canada, donc www.rbcbanqueroyale.com ou en abrégé RBC. Vous avez la Banque Toronto Dominion, le TD, au www.tdcanadatrust.com. Vous avez la Banque Canadienne Impériale de Commerce, le CIBC, donc www.cibc.com. Vous avez la Banque de Montréal, le BMO, www.bmo.com. Vous avez aussi la Banque Scotia, Scotia Bank si vous préférez, voilà, BNS, www.bankscotia.com. Petite anecdote, c'est que la banque Scotia Bank est une filière de la BNP Paribas de France. C'est-à-dire que à Montréal, vous avez aussi une BNP aussi. Donc si vous êtes à la BNP, si vous allez à Montréal, vous avez BNP Paribas. Bon, évidemment, vous pouvez pas voir comme chez nous la petite bannière BNP en bas au rez-de-chaussée. En fait, si vous voulez savoir où se trouve la BNP, faut regarder le gratte-ciel marqué BNP. Mais vous êtes bien dans le gratte-ciel en dessous, vous avez la banque. Tout simplement, mais leur filiale c'est tout simplement Scotia Bank, tout simplement. C'est-à-dire que si vous voulez pas mettre votre argent à BNP, ben faut aller à Scotia Bank et gérer exactement la même chose que BNP Paribas. Après, vous avez la Banque Nationale du Canada, le BNC, au www.bnc.ca. Après, vous avez la Banque Laurentienne du Canada, le BSC, au www.banquelaurentienne.ca. Et la dernière banque que pratiquement les Français qui viennent vivre à Montréal y vont d'ailleurs mettre leur argent, c'est Desjardins, au www.desjardins.com. Voilà, c'est aussi celle qui propose pas mal de bornes de distribution de billets, parce que sur certaines banques que je vous ai citées, il n'y a pas vraiment de distributeur de billets, il n'y a que chez Desjardins, que vous pouvez en trouver partout dans les rues. Voilà. Présentez-vous à la banque de votre choix avec les documents qu'elle vous aura demandé d'apporter, car vous aurez pris le soin de l'appeler pour prendre rendez-vous. Si vous manquez de ces petits papiers administratifs, mais que vous attendez un gros transfert d'argent, les banques montreront une souplesse qui étonnerait bien des profs de yoga. D'accord, ça c'est un jeu de mots Ramucho. Obtenir une carte Interac. Alors, elle est faite sur place et vous l'obtenez tout de suite, tout simplement. Vous la demandez et vous l'avez directement sur place. C'est pas comme certaines banques ou par exemple BNP. Moi, je suis à la BNP. Quand vous demandez une carte, il faut attendre quoi, une semaine quoi, pour avoir la carte. Que là, vous l'avez direct live, la carte Interac. Le Canada comptait en 2008 près de 1800 guichets bancaires par tranche d'un million d'habitants, c'est-à-dire plus que tout autre pays. Mais on vous demande une petite participation aux frais car les banques canadiennes n'ont affiché qu'un profit de 20 milliards de dollars en 2010, 42% de plus que l'année précédente. Oui. À mon avis, ça a dû bien augmenter. Parce que comme je vous l'ai dit, ce bouquin est de... Quelle année?
Vous le saurez dans le prochain épisode. Non, je sais pas quelle année. Pourquoi ils mettent pas les années? Ils devraient le mettre, ouais, les années. Hein. En quelle année, Jean-Michel? Ils ont pas envie de qu'on le sache, en fait. C'est en quelle année? Ça doit être en 2000, je sais plus quoi. Enfin bref, on continue. On distingue donc les frais de transaction réguliers qui dépendent de votre accord avec votre établissement. Voilà, les frais d'accès au réseau lorsque vous utilisez un guichet d'une autre banque que la vôtre. Les frais de commodité du type NTM en choisissant une banque disposant de guichets automatiques sur votre lieu de passage. Vous témoignez donc d'un sens aigu et de la gestion qu'appréciera vraiment votre papa. Bon, ça, c'est encore l'anecdote du gars qui fait le bouquin. Alors, le NTM, c'est pas ce que vous croyez, n'est-ce pas? Mais je vais en parler juste après parce qu'on m'informe d'une page et ça doit être la page précédente, donc pour la preuve suivante, je veux dire. Donc voilà. Obtenir des chèques, demandez-les, on vous les fournit dans la semaine. C'est payant, bien sûr. Bah, ça, c'est comme toutes les banques. Ensuite, on va parler de l'autre point qui s'appelle payer. Alors, payer le chèque. Alors, le chèque n'étant ni garanti ni couvert par la banque, le chèque n'est pas accepté partout. On ne l'emploie que pour payer son loyer, le téléphone et l'électricité. Ah, bah, ça, c'est bien de le savoir parce que vu que je prends un Airbnb l'année prochaine, oui, je vous en parlerai tout à l'heure, il va falloir donc que je fasse un chèque pour un loyer. Très bien, à noter. Si vous déposez un chèque reçu à votre banque, votre compte ne sera crédité de son montant qu'une dizaine de jours plus tard. La banque vérifie sa validité, paye les sandwichs avec les intérêts et place le reste dans le débarrage hydroélectrique. C'est quoi cette mentalité du gars? C'est n'importe quoi. Le chèque sans provision n'est pas poursuivi pénalement. Votre crédit s'en trouve évidemment affecté, mais rien de plus. C'est bien. Excellent. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'Interac et de la carte de débit, dont je vais en parler. La plupart du temps, on n'impose pas de montant minimal, parfois 5 dollars. La banque vous débite des frais, bien entendu. Quand vous payez par carte, le terminal vous demande quel compte. Ah, ça c'est bien. La réponse est généralement compte chèque, ce qui signifie compte courant. Oui, c'est comme chez nous, compte courant, c'est le compte général. Voilà. C'est pas comme LEP, LDD, etc. Voilà. C'est le compte courant où tous les le loyer, facture et tout, quand vous faites les courses, passe. Voilà. Dans les grandes surfaces et la plupart des dépanneurs, on peut vous donner de l'argent qu'on ajoute à votre note si vous payez par Interac. Alors évidemment, dépanneur, je vous tiens à vous préciser que j'en ai parlé dans les autres lives. Vous pouvez les regarder. Alors je sais plus c'est lequel d'ailleurs, dans quel live. Mais bon, voilà. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de NDM qui n'a rien à voir ce que vous croyez. Et donc on va faire le premier Aristop dessus. ATM égale NTM. Et oui, automatique, mais voilà, les ATM, c'est les distributeurs automatiques, si vous préférez. Voilà. Quand vous retirez de l'argent dans une machine ATM, le propriétaire des restos ou du bar encaisse 1 $. ATM prend 1 $ et Interac sa commission habituelle. C'est ainsi que 20 $ coûtent 24 $. Historiquement, on nous avait dit que les guichets automatiques diminuant les frais de personnel économiseraient les nôtres. Où je rêve. Pour moi, j'engueule le propriétaire du restaurant et je sors. Voilà. C'est-à-dire que là, celui qui a fait le bouquin a testé et a engueulé le propriétaire du restaurant parce qu'on lui a pris de l'argent, parce qu'il avait pris de l'argent tout simplement dans le ATM. La carte de crédit maintenant. On va parler de la carte de crédit. Oui, parce qu'il y a la carte de débit, donc Interac, donc carte de crédit maintenant. On l'emploie sans restriction et sans minimum. Un bon conseil, gardez votre carte de crédit européenne, c'est-à-dire un compte dans votre pays, le plus longtemps possible, même si ça vous coûte cher. Sans carte, il est impossible de louer une voiture et très difficile de réserver un hôtel, par exemple. Obtenir une carte de crédit au Québec, tant que vous n'avez pas l'historique de crédit, ce qui prend habituellement un an, est pratiquement impossible. Un immigré européen engagé
j'ai dans une grande banque de Montréal n'a pas réussi sans vous décourager. Je ne vois pas comment vous y arriverez si vous n'avez pas encore de travail. Certaines banques acceptent rarement qu'en déposant 1000 dollars sur un compte, vous souscriviez à une carte avec limite de dépenses de 500 dollars. Toutefois, Objectif Québec, qui se trouve sur le site www.objectifquebec.org, à mon avis le 2 n'existe pas, je pense pas, s'est trompé dans la, en tapant le machin, c'est www.objectifquebec.org, à mon avis c'est de ça, a passé un accord avec une succursale Desjardins afin de faciliter la procédure, pour autant que vous soyez membre de l'association. Caisse populaire Desjardins de Mont-Royal au 435 avenue de Mont-Royal Est. Voilà. On continue. Il est également possible d'acquérir une Mastercard prépayée en vous rendant dans un bureau InstaCheck ou à la poste. La carte coûte 20 dollars et on effectue un dépôt minimal de 10 dollars. Cette carte n'est accessible qu'aux résidents permanents et aux citoyens canadiens. Maintenant, on va parler du virement. Le virement est toujours possible entre clients d'une même banque. Entre banques différentes, il y a des frais comme au temps où il fallait transférer tout ça sur un cheval vers l'ouest. D'accord. Et là, on va faire une petite confusion avec une chaîne de télé française. Comme on dit sur TF1, renseignez-vous auprès de votre établissement bancaire le plus proche. Pourquoi TF1? Ah, peut-être CIC, peut-être, je sais pas. Oui, parce que CIC, c'est TF1, c'est la météo, etc. Bon, maintenant, on va passer à un autre point, encaisser un chèque. Et il y a trois solutions. Alors, la première solution, c'est le déposer sur votre compte et attendre une dizaine de jours. La deuxième solution, c'est l'encaisser à la banque du signataire. Et la troisième solution, c'est l'encaisser en liquide chez InstaCheck. 3% de commission plus frais d'administratif. Surtout s'il s'agit d'un chèque de société. Vous devez fournir quelques informations préalables pour connaître le bureau InstaCheck le plus proche et les heures d'ouverture. Allez au www.moneymark.ca, car ça veut dire InstaCheck en anglais. Ah bon. Le guichet de la rue Atwater est ouvert les jeudis et vendredis jusqu'à 23h. 536 rue Atwater. Voilà, ça c'est les trois solutions pour encaisser un chèque. Maintenant, recevoir de l'argent d'Europe. Par banque, évitez l'échec. Demandez à votre banque ses coordonnées internationales. Soyez prévenu du jour de l'envoi et attendez 5 jours et après ce délai, réclamez. Oui, parce que des fois, ça peut prendre très très long. Par Western Union, alors ça, j'ai déjà entendu parler quand il s'agit de commander et de payer. Que ce soit sur un site américain, pardon. Par Western Union, cher mais ultra rapide, sauf pour connaître le plus proche. Il faut appeler un numéro, donc je vais vous le dire quand même, le 1-800-235 et 4-0. Je sais pas si ça peut vous servir, mais bon. Composez successivement le 1, le 2, encore le 2, le 3 et le 1 pour entendre finalement un robot vous conseiller d'aller au www.westernunion.com. Donc en fait, aller directement sur le site, ça veut dire. L'argent est disponible dans l'heure de son envoi, d'où qu'il vienne. Vous le retirez en espèces à n'importe quel bureau Western Union. Voilà. Après, il y a par mandat postal, plus rapide que la banque et moins cher que WU, donc Western Union. La poste vous avertit quand l'argent est arrivé. Vous pouvez aller le chercher dans une pharmacie où sont installés presque tous les bureaux de poste à Montréal et en banlieue. Oui, pharmacie, parce que par pharmacie, vous trouvez pas que des médocs, mais pas mal de choses comme les journaux, etc., etc. Donc aussi l'argent. Un arrêt stop, maintenant le numéro 2. Vous êtes timbré, qui s'intitule. En envoyant votre photo préférée à Poste Canada, ils en font des timbres qui peuvent affranchir vos courriers. On peut commander tout ça en ligne au www.postcanada.ca. Alors, poste avec un S, hein, parce qu'il y a plusieurs postes. Et le dernier petit point pour ce live, vous allez voir que ce live est super court. Je regarde qu'on est à 17 minutes.
Déposez de l'argent dans votre compte. On peut bien entendu déposer de l'argent au comptoir de la banque, mais au Québec, il existe un système permettant d'approvisionner son compte en passant par le guichet automatique. Qu'il s'agisse d'un chèque ou d'espèces, il suffit de placer l'argent ou le chèque dans une enveloppe située au guichet automatique et de déposer ensuite l'enveloppe dans l'appareil. Aussi bizarre que cela paraisse, il n'est pas sûr que vous puissiez déposer immédiatement de l'argent que vous venez de déposer, car certaines banques le gèlent. Il y a des génies qui ne déposent rien dans l'enveloppe et font donc que l'employé nain qui habite à l'intérieur de la machine vérifie le contenu de celle-ci. D'accord, ok. Encore un truc déplacé du cerveau de la personne qui a écrit le bouquin. Pour éviter le gel de votre argent, demandez un transit à votre banquier en écoutant attentivement ce qu'il vous dira en petit caractère. Retirer de l'argent de votre compte européen est possible pour la majorité des cartes européennes. Vous faites votre code dans un distributeur et c'est tout. Les banques européennes ne peuvent offrir de services réguliers aux particuliers. Si vous déposez d'un compte au Crédit Lyonnais, par exemple, vous ne pouvez l'utiliser à Montréal, étant donné qu'ils ont placé toutes vos économies à Hollywood. D'accord. Et pour finir, le dernier Aristop. Big Brother s'appelle en québécois Equifax. Cet organisme a pour objet d'identifier la solvabilité, le crédit, des citoyens. Chaque fois que vous voulez acheter un crédit, Equifax vous identifie grâce au numéro d'assurance sociale, le NAS, que vous donnez au vendeur et vous attribue une note comme à l'école. D'accord. Concrètement, si vous êtes endetté, Equifax vous permet d'accéder immédiatement à la misère, car plus personne ne vous prêtera une thune. C'est magique. En plus, ce n'est pas leur faute, c'est l'ordinateur. Voilà, mes chers amis. Alors, on va faire une petite parenthèse pour finir ce live. Et puis, évidemment, avant que je vous dise ce qui se passe pour moi, la semaine prochaine, on se retrouve pour parler de se loger à Montréal. Avec les points suivants, avant de louer, quoi que ce soit, il faut savoir que trouver un logement, les droits du locataire à Montréal, et puis ça sera bon, ça sera un petit live, je pense aussi. Mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui m'arrive pour moi? Je vous ai dit, vous avez bien vu que sur la chaîne, il y avait à peu près deux vlogs spéciaux où la première, je vous parlais de mon envie de vivre, de partir à Montréal. Et dans la deuxième, je vous parlais d'un organisme qui s'appelait le web. Problème, c'est qu'avec le web, si je partais 6 mois, disons que pendant 6 mois, j'étais, vu que je suis demandeur d'emploi, j'étais plus au Pôle emploi, ni au Cap emploi, et j'avais plus d'argent. Donc, le problème, c'est que si je revenais 6 mois plus tard, ben, on me saisissait mes meubles, que vous voyez à peu près derrière moi, et j'étais à la rue, moi là aussi. Donc, par précaution, j'ai préféré réduire mon séjour de 3 mois et au lieu de faire un stage, je faisais des cours d'anglais. Donc le matin, je serai en cours jusqu'à 14h à peu près et l'après-midi, je vous ferai des petites visites, il y aurait des vlogs sur cette chaîne-là. Voilà, je vous ferai visiter Montréal, etc., etc., ce qui va être pas mal. Ce qui veut dire que j'aurai mis un peu d'argent de côté pour payer mes 3 mois d'absence, ce qui veut dire que quand je serai revenu, je serai totalement comme avant, c'est-à-dire que je serai toujours dans l'appartement et tout, voilà, où je suis. Et normalement, l'année d'après, je partirai, je ferai des économies pour déménager pour de bon à Montréal, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, dans pas longtemps, vous allez voir un nouveau vlog spécial du pourquoi je partirai à Montréal. Il y en aura un deuxième sur l'organisme choisi, ça j'attends parce que j'ai jusqu'à la fin du mois, donc juin, pour donner une acompte, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que c'est avec le YAL et avec l'école qui s'appelle ALI Montréal, qui veut dire Académie Linguistique Internationale, où je vais faire donc ces cours d'anglais. Donc à partir du 20, enfin je pars le 22 juin, mais ça débute le 1er 2 juillet de 2019. Disons que on donne un acompte parce que là ils appellent ça un rabais, une réduction, et c'est pas cher. C'est-à-dire qu'à la base c'est 4 000 euros, mais ils ont fait un rabais pour que ce soit à peu près 50 à 75% du prix, avec transfert compris. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient vous chercher
à l'aéroport jusqu'à par exemple chez la famille d'accueil ou la résidence ou par exemple un Airbnb, ça c'est pratique. Et donc du coup, si je réserve avant le 30 juin de cette année et que je donne 400 euros, ma place jusqu'à l'année prochaine sera prise en compte. C'est-à-dire que quand j'aurai donné les 400 euros, ils vont évidemment vérifier s'il y a de la place. S'il y a de la place, ils mettent ma place à mon nom. C'est-à-dire que l'année prochaine, j'aurai une place vacante sûre à 100% pour faire ces cours, justement. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'après, un mois avant le départ, bah, je fais tout simplement, je vais donner la suite, mais on peut payer aussi en plusieurs fois. Le problème, c'est que moi, je suis en mode débutant, je reprends depuis le début, donc toutes les premières bases. Donc, eux, ils appellent ça A1, voilà, c'est le niveau. Et pendant 3 mois, je peux monter au niveau A2 ou B1. Donc, déjà, quand on est A1, on donne 50 euros pour le matériel scolaire. Donc, c'est-à-dire que chaque niveau, on donne 50 euros pour avoir le nouveau matériel scolaire. Bon, ça, c'est de ma poche, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que je fais des cours d'anglais pour apprendre, avoir des nouvelles notions, et ça peut m'aider pour plus tard. Et en même temps, faire visiter Montréal. Il n'y aura pas que Montréal, bien entendu, hein, parce que. Il y aura Québec, il y aura les chutes de Montmorency, il y aura Saguenay, il y aura plein plein de trucs comme ça, il y aura même des conventions, il y aura des activités comme le saut de mouton, le jetboat, comme ils disent en Québec. Donc du coup, je vais vous faire revoir tout ça et ça va être GG. Voilà, vous verrez le premier vlog certainement dans quelques mois, dans quelques semaines, ou plutôt peut-être la semaine prochaine, je vais voir ça. La semaine prochaine, donc, se loger survivre à Montréal. Voilà, comment survivre à Montréal. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et à la semaine prochaine sur Canadian Life. Ciao!